Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Je vais encore une fois m'entretenir avec vous au sujet de l'assistance aux pauvres. Quand je parle de l'assistance aux pauvres, il y en a qui le comprennent mal. Certains me demandent comment ils pourraient aider les pauvres alors qu'eux aussi ont des problèmes d'argent. Tu as peut-être des problèmes d'argent, des dettes ou un crédit que tu as demandé, ce qui fait que sur ton salaire, on prélève un certain montant chaque mois en vue du remboursement de ton crédit. Tu as alors cette impression que tu fais partie des gens pauvres qui ont besoin d'aide. Je veux que vous compreniez que chaque fois que la parole de Dieu parle des pauvres, elle ne fait pas allusion aux gens qui ont des problèmes d'argent ou ceux qui sont endettés. Quand la Bible parle des pauvres, elle fait référence à toute personne qui est indigente, c'est-à-dire qui ne peut rien accompli tout seul sans l'aide d'une autre personne. C'est cette personne que la Bible appelle pauvre. Le pauvre ne peut rien accomplir sans une autre personne pour le nourrir, sans une autre personne pour lui payer les frais scolaires, sans une autre personne pour l'aider. C'est pourquoi si tu reçois un certain montant par mois, que ce soit grâce à ton travail, grâce à ton commerce, Dieu s'attend à ce que tu fasses quelque chose pour ceux qui ne peuvent pas vivre sans l'aide d'une autre personne. J'ai déjà parlé sur la gestion financière, comment gérer les moyens que Dieu te donne. J'ai dit que chacun devrait vivre selon ses moyens, afin qu'il puisse être une bénédiction pour les autres. Nous avons vu la semaine passée que le but qu'avait Dieu en te donnant l'argent, en te donnant du travail, ce n'est pas pour que tu vives toi seul et sa famille, mais c'est aussi pour que tu puisses aider une autre personne qui est dans le besoin. Même si c'est une personne, mais au moins qu'il y ait cette personne. Je le dis souvent dans cette émission, si tu es une personne réveillée, il faut qu'il y ait au moins une personne qui n'est pas quelqu'un de ta famille, qui n'est pas ton enfant, qui n'est pas ton frère ni ta soeur, et que tu l'assistes dans ses besoins. Il faut qu'il y ait quelqu'un que tu aides pour la gloire de Dieu. C'est une chose très importante. Ça peut être un enfant orphelin pour qui tu payes les frais scolaires afin qu'il puisse étudier parce qu'il n'a pas de parents, parce qu'il n'a pas de famille et qu'il peut lui payer l'école. Dans le peu que je suis t'a donné, fais quelque chose pour lui. Tu auras fait une chose très importante pour je suis. Si tu te souviens qu'il y a une veuve qui n'a même pas de travail, qui cherche un travail, qui ne peut pas avoir les moyens de payer son loyer, qui ne peut pas avoir les moyens de nourrir son enfant, et si tu peux faire quelque chose pour aider cette personne grâce à la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu auras fait quelque chose de très important et cette personne pourra à son tour se mettre à genoux pour rendre grâce à Dieu pour ta bénédiction. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est une joie immense d'œuvrer avec je suis, d'être un instrument que Dieu utilise pour bénir une autre personne qui est dans nos besoins. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 19 verset 17 il est écrit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Tu peux prêter l'argent à quelqu'un qui peut te rembourser. Par exemple, tu peux prêter l'argent à ton collègue parce qu'il a besoin d'argent et tu sais qu'il va te rembourser. Ce n'est pas de cela dont il s'agit dans ce verset. Ce verset parle du fait d'aider quelqu'un sans attendre quelque chose de retour, sans attendre qu'il te rembourse. Il y a des gens qui aident les autres et qui leur donnent des cadeaux parce qu'ils savent qu'ils vont avoir quelque chose en retour. Mais tu peux aider quelqu'un sans t'attendre à quoi que ce soit en retour, juste en voulant qu'il rende grâce à Dieu qui a pu te permettre de lui venir en aide. Si tu prêtes à quelqu'un comme ça, tu auras prêté à Dieu. Tu auras touché le cœur de je suis. Il ne faut pas que tu le fasses pour que Dieu te bénisse, mais fais-le parce que Dieu t'a aimé et parce qu'il veut aussi aimer son pauvre à travers toi. Galates chapitre 2 verset 9 à 10 nous parle de Paul. Au début de son apostolat, Jacques, Jean et Pierre l'ont reçu comme vous allez le lire au verset 9. Il allait prêcher la bonne nouvelle aux païens. C'est le verset 10 qui m'intéresse. Lisez le verset 10. Il est écrit, ils nous recommandèrent, là il parle de Jean, de Pierre et de Jacques, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. On voit bien que Paul a pris soin des pauvres parce que ceux qui l'ont accueilli, à savoir Pierre, Jean et Jacques, lui ont recommandé de le faire parce que c'est un acte qui touche le cœur de je suis.
Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des juges. Nous sommes toujours sur le sixième chapitre, nous sommes en train de parler de Gédéon et de son appel. Hier nous étions sur le verset 14, Dieu l'avait déjà envoyé mais il n'y croyait pas du tout. Au verset 14, il est écrit que l'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» J'aimerais vous parler à vous que Dieu a appelé. Il y a des jeunes qui ont des appels sur leur vie, qui ont des promesses de Dieu sur leur vie. Si Dieu vous a appelé, peu importe ce qu'il veut que vous fassiez, cela ne demande pas votre force ou votre intelligence. Dieu peut vous mettre en contact avec des gens qui peuvent vous former. Vous pouvez apprendre des choses qui vous aideront sur votre chemin. Mais peu importe ce que vous allez apprendre ou les gens qui seront autour de vous, la richesse que vous aurez, la sagesse, la capacité, ce n'est pas cela qui va vous aider. La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'être sûr que c'est lui qui vous envoie. Peu importe ce qu'il veut que vous fassiez, ayez cette conviction que c'est lui qui vous envoie. Car si c'est lui qui vous envoie, il vous donnera le nécessaire, il vous équipera. Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Lorsque Dieu nous appelle et nous envoie, la première chose qu'on se demande, c'est comment nous allons accomplir cela. Je me rappelle ce qui m'est arrivé personnellement. C'était en 2007. Je faisais des affaires, je vais en cyber internet et Dieu m'a dit de tout arrêter et de se vivre à temps plein. Je me rappelle que j'ai demandé à Dieu comment j'allais pouvoir vivre si je ne travaillais pas. Ça a été un véritable combat car je ne comprenais pas comment je pouvais laisser tout tomber et continuer à vivre. Je ne voyais pas comment Dieu allait pouvoir me faire vivre. Gédéon lui non plus ne le comprenait pas parce qu'il ne voyait rien de concret. Si vous lisez le verset 15, Gédéon dit ceci à l'ange. « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il était en train de raisonner Dieu à cause de ce que ses yeux lui montraient. Ça arrive à certains d'entre nous de raisonner Dieu parce que nous pensons que ce qu'il nous dit de faire n'est pas possible à cause de ce que nos yeux nous montrent ou bien ce que notre intelligence ou notre connaissance nous dit. Par exemple, la science dit que le sida ne guérit pas, le cancer ne guérit pas. Une femme qui a déjà atteint la ménopause ne peut pas concevoir. D'autres considèrent l'âge et ils se disent qu'ils ne peuvent plus se marier, c'est ce que l'intelligence te dit. Et c'est ça le problème que Gédéon a eu. Il le dit au verset 15. La tribu de Manassé n'était pas une grande tribu et à part cela, sa famille était la plus pauvre. Il était le cadet de sa famille. À cette époque en Israël, ceux à qui on demandait de faire quelque chose d'extraordinaire, c'était les aînés. Ils étaient entraînés pour ça. Gédéon marchait selon ce qu'il voyait. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7 que nous devons être conduits parce que nous croyons et non pas parce que nous voyons. C'était ça le problème de Gédéon. Il marchait selon son intelligence, selon ce qu'il voyait, selon ce que le monde lui montrait. Toi aussi, change d'attitude, commence à chercher ce que Dieu dit sur ta vie. C'est ça le plus important. Il est important que tu comprennes que ce que Dieu dit sur ta vie est plus important que ce que le monde dit sur toi. Tu es peut-être dans un endroit où on te dit que tu ne pourras rien accomplir dans ta vie parce que tu n'as pas ceci ou cela. Moi aussi, on me disait que je ne pourrais rien accomplir dans ma vie parce que j'étais timide, je ne savais pas parler. Mon père me disait que je ne sais pas parler, il me disait que je n'étais pas éloquent et donc je ne pourrais pas faire ceci ou cela. D'autres me disaient que je ne pourrais jamais atteindre tel niveau parce que je n'avais pas ceci ou cela. On me disait que je ne pourrais jamais prêcher au monde parce que je venais d'un petit pays, un pays pauvre, un pays qui est inconnu. Mais tout ce qu'on fait ne dépend pas de notre position, de notre identité. Mais il faut comprendre que tout ce que je fais ne dépend pas de ma position ou de mon identité. Ça dépend de qui je suis. Ça dépend de la grâce de je suis. Tout ce que tu vas accomplir dans ta vie, ça doit être conforme à ce que Dieu veut pour toi sans considérer ton origine, ton pays, tes études, ta famille. Ça doit être conforme à ce que je suis a dit sur toi uniquement. Que je suis vous bénisse. Passez une excellente journée. On va continuer demain.